Et donc nous y revoici. Voilà. Donc comme je suis un salaud, je vais aller en face. Et tout va bien. Tout va très bien. Ouais. Qui hier. Non mais tais-toi, Dikin. Genre tais-toi beaucoup, j'ai putain, j'ai évité le pied. Hein? Hein? Ah. Ah. Lol. Bon, piège, désamorcé. Putain, 42 contre 42, sérieux? Vache. Ok. Bonjour. Monsieur, peut-être, madame? Bienvenue. Toute vigueur est visible au centre de la pièce. À votre entrée, il se tourne lentement vers vous. Qu'est-ce que ceci? Quelqu'un dans ma cellule? Vous n'êtes pas un gobelin, je le vois bien, mais quelqu'un de normal, comme moi. Ou plutôt comme je l'étais autrefois. Le nom Gloire est l'assistant du faiseur avant qu'il ne soit démence, ça paranoïa n'a Dicky, elle espère que bah, j'avais pensé oui. Afin de me punir, elle a désintégré mon corps et mon esprit à cette pièce qui est devenue ma prison à tout jamais. Nul ne doute que son esprit est équilibré. Il y a bien un châtiment à la mesure de mes crimes imaginaires. Vous êtes un fantôme. Pas dans le sens habituel du terme. Je suis doué de conscience, c'est vrai, mais je n'ai pas de substance. Mon essence est disséminée entre le plan matin. Ouais, c'est compliqué. Cela fait 500 ans que je morfonds. Vous libérez, comment donc? Quand le faiseur m'emprisonnait, il a veillé à ce que mon statut soit. À ce que mon salut, voilà. Alors moi salut, j'ai une petite pierre précieuse, une petite gemme spirituelle, tout comme moi elle existe. Il faut juste que quelqu'un m'approche de la gemme spirituelle qui est posée sur pièce d'attaque qui se trouve derrière moi. Une fois que je l'aurai mis en ma position, je serai délivré du sort qui m'entraîne ici. Je dois pouvoir vous aider, très bien. Ah oui! Alors, l'entrée du Wafin est défendue par le gardien. Délivrez-moi et je vous donnerai un mot de passe. Ok. Quand j'aurai la gemme. Alors. Ça doit être ce piédestal. Ouais. Une gemme de l'âme. Oh. Gemme de l'âme. Eh, machin. Eh, j'ai ton caillou. J'ai le caillou, c'est bon. Bienvenue. Ah, voici la gemme spirituelle. Alors, 250 d'XP. Parfait. Alors, hein. Le mot de passe est Dragista. Assiégarde à l'envers. Le nom de fuseur des fers reconstitués, c'est si simple. Oh. Oh, c'est beau! Le nom du faiseur des faits reconstitué. Oh, c'est beau, oui. Je trouve ça assez beau. Voilà. C'est tout. Donc, du coup, petite quête de terminer. L'assistant du faiseur. Voilà. Et ben, c'est voilà. C'est ben. Et ben, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce levier? C'est là. C'est le. D'accord. C'est la porte. Okay. C'est la porte! C'est un golem d'argent qui vient de tuer des golems de chi. Putain, mais c'est la révolte! Ah, mais c'est la révolte! À moi! Je viens! Je viens vous aider, je ne viens pas en paix! J'aurais dû les laisser se défoncer là, les gars. Non, mais attaque avec le marteau, sac! Ce marteau qui va mettre une utilité! Tellement incroyable. Ah ouais, mais il y a déjà des morts ici. Ouais, toi. Tu m'as volé l'XP. C'est pas gentil. Sbler! Paf! De l'or, des sorts et des sorts et des sorts. Et putain, il y a... Ouais, y a plein de cadavres empilés. Enfin, alignés plutôt. Aligné me semble le terme juste. Oui. Ici nous avons encore des mecs qui sont en train de se battre. Non mais vas-y. Non mais allez-y, je vous regarde. Mais pas moi. Mais pas moi, bande de sacs. Mais quelle bande de cotorep. Bon, Likin par contre il dort. Hein, Moi je ne sais pas, écoute. Likin? Attaquer le plus proche. Ouais. Est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. Moi je teste des trucs, écoutez, dextérité et charisme plus 3. Ouais, mais c'est l'intelligence, je suis à 9, c'est-à-dire. Bah. Et là, on va prendre le golem de chair qui est en train de se.
De nom en fait, ils étaient là. Allez, allez messieurs. Messieurs, s'il vous plaît, on essaye de mourir. Allez, s'il vous plaît, messieurs. Allez, messieurs. Merci d'avoir joué. Putain, ils sont plus résistants, ceux-là. C'est problématique. Par rapport à la résistance, je leur mets quand même 30, ce qui est pas dégueulasse. Et là, il y a des talos. Et là, nous avons Repal, Décharge et un truc que je vais... non, que je voudrais prendre, en fait, mais que je voudrais utiliser. Utiliser sur moi-même. Voilà, on se remet un peu de vie. Dikin, il est flex. Dikin est flex, ça, y a zéro problème. Je pense que je vais me diriger en au sud. Ouais, pour commencer, ça me paraît bien, le sud. Le sud, il y a jamais de problème au sud. Il y a un problème au sud. Il y a un problème au sud. Il y a un problème au sud. Bon, je suis malade. Complètement malade. J'ai un antidote quelque part qui doit traîner. Antidote. Parfait. Bon, et ben on attend. Non mais moi j'attends que le... J'ai piège de feu poison. C'est parfait. Un petit peu lent. Allez, on se dépêche. Allez. Ah, c'est... Ça y est, c'est fini. C'est fini. Alors, droite, gauche ou milieu... Oh merde, non. Non, mais... cassez-vous la gueule. Cassez-vous la... Non, cassez... Bon, bah... Ça marche pas. Mais ils sont trop. Mais ils sont de trop. Mais messieurs, dames. Vous êtes de trop. Vous êtes de trop. Vous êtes de trop. Ne me forcez pas à tricher, s'il vous plaît. Bon d'accord, et bah tant pis. Allez. Donc là je vous le montre. Hein. Oh, merde. Donc debug mode 1. Tenez, success, voilà. Ça c'est fait. Ensuite. Alors il y a plusieurs trucs à faire. Là vous touchez un petit peu tout et n'importe quoi. Jusqu'à trouver une touche qui fonctionne. Alors c'est un peu con, je le reconnais, mais des fois ça marche, des fois ça donne accès à des trucs. Alors là, on peut, là techniquement je suis bloqué, complètement bloqué, j'ai tendance à bloquer. Je vous le dis, c'est un peu chiant. Hein. Donc du coup là vous appuyez un petit peu n'importe où, et dès qu'il y a un menu qui pop, et ben c'est gagné. Bon bah ça peut durer un petit moment par contre. Ah voilà. Voilà, ça met un peu de temps, hein, je vous l'ai dit. Mais ensuite. Y.
Voilà. Problème réglé. Et donc on va continuer comme ça. Enfin, on va pas continuer comme ça. C'est juste que là, c'était un petit peu trop nombreux pour moi. Et les ennemis sont proches. Vous m'ennuyez. Vous m'ennuyez, messieurs, dames. Donc du coup, je vais me barrer. Donc oui, on va encore rejouer avec ce truc dégueulasse. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Le jeu est chiant. Le jeu ne vous laisse aucun répit. Et actuellement, moi, je n'ai plus de honte à tricher. Écoutez, voilà. Moi, je pense qu'à un moment, on va arrêter de se voiler la face. Et il faut se dire que bah, si c'est ennuyant, c'est ennuyant. Voilà. De toute façon, voilà. Qui êtes-vous pour me juger que celui qui n'a jamais triché me jette la première pierre? Ainsi, je suis sûr que eh bien, personne ne me fera de mal. Ah, bonjour. Rangez vos armes, vieux créature de chair, nous. Ah, une trêve! Notre chef se tente à voir se faire. Oui, écoutez, moi je suis comme ça, je ne discute pas. Oh, bonjour. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour. Merci de Alors, vous mais. voir. Nous ne vous voulons aucun mal. Je suis Féron, chef de la rébellion des golems conscients que vous voyez ici. D'accord. Cela peut vous paraître étrange, mais nous sommes différents des autres golems. Nous ne sommes pas de simples constructions. Nous pensons, D'accord. et comme toute créature, nous méritons la liberté. Nous luttons pour défaire les chaînes de l'histoire. Croyez que je regrette, mais les golems ne sont pas comme nous, ce sont des créatures des nuits, d'accord. À gaz! Hein, tac tac tac, que faut-il que je fasse? D'accord, mais dans ce cas, nous. Voilà. Ah, voilà, on a négocié un truc. Je vais vous transformer en Tatsari. Je reviendrai. Bon, bah parfait. Et eh ben, on a négocié un truc. Je vais juste ouvrir cette porte. Enfin, j'explore un petit peu de bordel d'ailleurs déjà. Écoutez, pas que je vous veux aucun mal, mais je vais quand même dépouiller cet endroit. Hein. C'est quoi ça? C'est un coffre. J'ai oublié un coffre? Non, j'ai pas, ouais, j'ai pas oublié le coffre. Non, c'est moi qui suis juste un peu bête. Donc, ok, donc on doit trouver la source des pouvoirs. Les gros pouvoirs avec un P. Donc là c'est camp de fer. Ok. Là il y a un couloir que je vais explorer tranquillement. Tranquillou. Aïe 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 aïe. Ah non d'accord, d'accord. Ouh, des golems d'argent. Bon, argent, non, ils ont l'air calmes et pacifiques. Oui, Dikin. Oui, je suis tout à fait d'accord, Dikin. Mais calme-toi, Dikin. S'il te plaît. Calme-toi. Hein? Je vais quand même explorer en bas. Tu ne. D'accord. On va quand même continuer un petit peu d'explorer cet endroit. Hein, même si ça a l'air un petit peu long et qu'en bas. Il y a du monde. On va aller de ce côté. Qu'avons-nous de ce côté? Des golems et un escalier vers le bas. Ok, c'était pas le bon chemin. Notre but étant de couper un max de quêtes. Donc, Féron, des golems sur une île. Voilà, si on les aide d'abord. Ce qui n'est pas le cas pour le groupe de nains que j'ai rencontré tout au début et qui m'a dit va te faire foutre. Bah, écoute, nous on veut des cailloux, nous on veut des trucs rares, donc ramène-nous des trucs rares, sinon tant pis, ta cause toute la carte. Voilà. Ici nous avons des golems qui ont pas. Oh, des petits golems, des golems, des. Oh. Salut toi. Tu sais que ça fait un moment que je t'ai vu. Alors, il y a aussi un truc que j'ai pas dit, que je vais dire maintenant, pour ceux qui sont encore présents. C'est que dans cette partie de l'extension et dans cette partie de jeu tout court, il est possible
sous certaines conditions, d'obtenir un golem personnel, c'est-à-dire un compagnon quasiment invincible et perpétuel. Mais pour cela, vous ne le verrez pas dans ma partie, pour une raison simple, c'est qu'il faut être magicien ou un sorceleur, et je ne suis pas magicien ou sorceleur. Alors je dis une bêtise, c'est pas magicien, enfin c'est pas sorcière, c'est sorcier, enfin prêtre, enfin oui, je ne maîtrise pas la magie comme le jeu le voudrait. Connard, connard. Merci le jeu. Voilà, donc écoutez, vous ne l'avez pas dans cette partie, mais si vous voulez le voir, je vous invite à faire le jeu en... oui. Oui, alors le jeu s'il te plaît. Le jeu en magicien. Bonjour Golem de chair, vous êtes combien? Vous êtes 1, 2, 3. Ouais, alors écoutez. Voilà, on va se battre contre lui déjà. Quand même un petit peu d'action, hein. Faut quand même pas tricher à 24. LOL MDR. Même si. Voilà, ça facilite. Bonjour. Attends. Au secours. Oh. Bonjour. Je vais être direct, Ferrod m'a demandé de faire ça. Vous travaillez pour Ferrod, donnez-moi une raison de ne pas vous tuer. D'accord. Parlez de la Valcharès. Même promesse. Alors là, par contre, je ne sais pas. Je réfléchis une seconde. Ah, je sais pas. Parce que techniquement ça changera rien. C'est comme l'autre quête que j'ai eu dans Undertale il y a plusieurs mois où c'était va tuer le dragon ou va tuer la connasse. Là je sais pas. J'hésite parce que Agaz a plus de classe. Mais il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Et puis je pense, il y a une des salles aussi qui se, il y a une salle que je voudrais voir, qui se trouve juste à côté. Alors vous la voyez pas sur la map, parce que je peux afficher la map. Il y a une salle là a priori, on peut y accéder que si on le tue. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas. Allez, on va faire l'histoire. On va faire l'histoire. Hein, moi je ne sais pas ce qu'il y aura ici. Ce sera à vous. Et uniquement à vous. Ah mais non, c'est la source de pouvoir. Ok, je viens de comprendre. Donc il faut tuer Agaz. Allez, je vais la jouer histoire. Je vais aider Agaz. Marché conclu. Vous-même. Voilà. Allez. Voilà, on va aider Agaz. En fait, là, c'est juste la source de pouvoir. Non, je pense que Agaz, quand même, il a un certain potentiel. Donc là, c'est juste, vas-y, qui tu vas aider, connard. Fais attention à qui tu choisis.
Je pense que je vais aider Agaz parce que Agaz, on va pas se le cacher, il a un certain charisme. Donc là, faut choisir entre qui vas-tu aider? Putain, mais il y a un piège. Non, puis quand même des golems de fer. Ça a autrement plus de classe que des golems de chair. Entre nous. Voilà, moi je vous le dis honnêtement, mais regardez-moi ce merdier. Moi je pense que, allez, je vais faire ça, ce sera ma version de l'histoire. Faites votre version de l'histoire si vous voulez. Donc là, j'ai le cul entre le chaise, enfin pas le cul entre le chaise, mais presque. Ah là là. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ma décision est prise. On va devoir tuer notre cher ami Ferron qui... Eh ben, je vais pas dire n'est qu'un connard, mais voilà. On va tuer Ferron. Bon, donc du coup, tous les golems seront hostiles. Et à cela, mon personnage est un gros connard. Le jeu est un saloperie de... Le jeu a des problèmes. Voilà ce qui se passe quand tu essayes de jouer sans une version CD, salaud. Le jeu a des problèmes. Mais regardez ça. Et on pourrait presque dire que c'est la même chose. À quelques très 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 légères différences près, la disposition des salles et tout le bordel, c'est à quelques trucs près la même chose. Donc ouais. Non mais en plus les golems. Alors ça change rien l'histoire. Je l'ai déjà dit, mais je redis. Mais t'es quand même de fer, putain, ça a plus la classe. Il est où Ferron que je lui dise écoute connard, je suis désolé mais va mourir. Il est où? Oh, il y a un coffre. Attends, je prends le coffre. Ouh, oh salut. Salut, tu me fais de l'œil toi. Tu pèses trop lourd. Tu pèses tellement lourd. Il est où? Ah bah il est là, Ferron. Ferron. Écoute. Je souhaite la bienvenue. Agaz m'a demandé de vous détruire. Agaz prétend servir le faiseur, mais à la vérité, c'est lui-même qui sert le faiseur à l'étapage. Ah. Bon. Tant pis. Je suis désolé, mon petit ami Ferron. Mais j'ai un marteau. Non, messieurs. Non, excusez-moi. Casse-toi. Non, mais. Casse-toi. Casse-toi. Je veux mon combat 1-1 contre Ferron, moi. Mais. Et c'est incroyable. Voilà, mon combat 1-1 contre Ferron, s'il vous plaît. Et voilà, et c'est tout ce qu'on aura comme combat épique. Parce que je vous le dis. Ah, je l'ai touché. On dirait que c'est... Il ressemble à rien quand même. Ah, 19. Voilà, 19 de dégâts. Quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pas déconner. Est-ce que je suis un gros sac à merde? Peut-être. Peut-être et même sûrement, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est mon choix et j'accepte totalement les commentaires de désapprobation auxquels vous me direz sûrement, que vous mettrez sûrement en me disant sac à merde, fais le jeu comme il le veut. Mais moi, je vous invite à faire un truc, c'est de prendre la Diamond Edition, la Deluxe Edition qui est disponible sur GOG pour environ 20 balles, qui comprend le jeu, les deux extensions et trois maps custom qui ont été trois maps faites par des joueurs qui sont en anglais. Vous faites le jeu, vous faites cette extension legit et vous me dites si vraiment vous voulez. Vous me dites si le jeu il est easy. Hein. Après, moi, vous me montrez. Peut-être que moi je suis un gros con, mais vous me montrez. Alors la tête, tac, tac, et voilà, on a la tête, et on va faire demi-tour. Et ma version de l'histoire, et que, eh bah, Deron c'est un connard. Voilà. Alors j'aurais pu tuer à gaz. Pour éviter de faire un aller-retour à la con, mais non, j'ai pas envie.
Je n'ai pas envie. Respectez mon choix, s'il vous plaît. Le jeu arrête d'être bourré. Si tu pouvais arrêter d'être bourré, le jeu, ce sera... Le jeu me pète. Oh, le jeu est bourré. Oh, le jeu est tellement bourré. Je l'ai pris, ce coffre. J'ai pas pris de coffre. Ouh, ça, c'est intéressant. D'accord, donc là on comprend un petit peu mieux les créations qu'on voit là. En humain, Féron et Agaz ont reçu l'étincelle de trucs. Donc j'oublie. Mais. Putain, j'ai. Et si ça pose un problème, par contre, moi je vais pas être pote. Non mais. T'es sérieux là? Eh ben vas-y, perds. Mais c'est quoi le problème? Attendez, c'est. Attendez, c'est passé un truc là. Attendez, il s'est passé quelque chose, j'ai pas compris.